facteurs clés de succès pour la réussite d'une fusion acquisition? Pour moi, le premier, c'est de bien comprendre en amorce quelle est la tonalité de l'acquisition ou de la fusion, comprendre auprès de la direction générale quelles sont les intentions, qu'elles soient business ou achat, pour que les achats s'inscrivent dans l'ensemble de la stratégie d'acquisition. La deuxième chose qui en découle, c'est bien choisir les personnes qui vont faire partie et mener au sein des achats, coordonner cette acquisition et cet arrimage pour faire en sorte qu'en tant que compétences métiers et aussi compétences comportementales, elles soient dans le bon profil et bien adaptées. J'aurais tendance à dire qu'il est important également de se donner un temps imparti pour réussir cette acquisition, exercer les synergies et aller chercher du business additionnel. Pour nous, 24 mois, c'est vraiment le grand maximum. Et surtout, les 3 premiers mois sont clés. Il faut réussir les 3 premiers mois. On parle des 100 jours en politique. Les 3 premiers mois dans les achats, sur les acquisitions, sont très importants. Et le dernier, je dirais, c'est à la fin de cette période, savoir aussi tirer les enseignements de la réussite, des points de réussite, des points qui ont été plus litigieux ou délicats, pour pouvoir, sur la nouvelle acquisition, gagner en expérience.